Let's start our last panel. I'm Karl Kaiser. We want to discuss the refugee crisis. Particularly important, we touched upon it. It may be a game changer in international politics. Or very often one says of the present exodus that is the biggest since the great flow of refugees at the end of, and immediately after World War II. That comparison is only partially correct, because the millions who fled at the end of World War II from east to west, Poles and Germans, millions actually, they went to a receiving country that was like them. They received compatriots. The new flow is very different. The people who flee have a very different culture, religion, language, background than the country they are going to. And unlike those refugees after World War II who moved a few hundred kilometers, secondly, these people move thousands of kilometers, crossing deserts and crossing seas. And unlike the earlier movement, these refugees have an enormous knowledge about their environment, about their target country, about the itinerary, in real time, because they flee with smartphones and tablets and communicate among each other or with their families at home. And fourth, this flow of refugees, many of them are only an advance party, the oldest son sent out, hoping that the family will follow. So it's an extraordinarily different phenomenon compared with the flows of refugees we've had in the past. Germany is the main target. In the time between the beginning of this conference and when we go home, there will be 20,000 refugees will have arrived in Germany and have to be taken care of. 180,000 arrived only in the month of October, and the flow continues, and the burden is enormous. And the horrible attacks in France have added a new dimension and have increased the fear that there might be a strong xenophobic right-wing reaction everywhere, and it makes the task of the German government, but also of the other governments who receive refugees, very, very difficult. The European Union, for the first time in its existence on a major question of national importance, used the majority vote. The three countries that voted against are now refusing to accept the vote. And the one country that abstained, Poland, also refuses to accept the vote. So what will happen in the future? What will happen to the European Union? How can a European approach be applied under these circumstances? My final question is a much more fundamental one. It is the question whether the global refugee regime that we developed in the past with all the conventions is actually sustainable under the present circumstances. Because when it was created, that regime, it was assumed that the problems of persecution, of wars, were manageable, the flow that they created. But now, a very large part of humanity, repressed and persecuted, has decided to move north. Can we, in the north, under the rules of the old regime, accommodate them all? What should we do? And now I turn to the panel. I won't explain in great detail. You have seen the bios. Each of them will speak for about 5 minutes how they see the problem, what can be done in the short run and in the long run. There has been a change in the panel.
to my left, Didier Reynders, who could not come, as you know, the Belgian foreign minister, for reasons we understand. He is replaced now by Chaim Korsia, who is the chief rabbi of France, and he will start. Il y a un lien évident entre la table ronde précédente et celle-ci. C'est que la question des réfugiés se pose en réalité depuis très longtemps avec le climat. Il y a des réfugiés de l'eau, il y a des réfugiés du climat. Et si je voulais m'amuser un peu, je dirais que les premiers réfugiés, c'est à cause du climat. Lorsque Noé est dans l'arche, dans la Bible, finalement, c'est le climat qui fait qu'il est obligé de bouger. Mais de manière plus sérieuse, je crois que c'est une donnée importante. C'est-à-dire que tant que ça reste des mouvements de réfugiés sud-sud, des populations qui bougent à l'intérieur de l'Afrique, à l'intérieur de l'Asie, finalement, on se sent moins concerné, ce qui est tragique. C'est même assez insupportable. Et la question ne se pose que quand ces réfugiés, d'ailleurs, je suis heureux que le World Policy Conference utilise le mot réfugié et pas migrant. Mais quand ces réfugiés viennent dans le Nord, là, brusquement, on perçoit l'impact. Ce qui laisserait à penser que ce n'est pas tant le mouvement, le statut de réfugié qui nous gêne, c'est que ça se passe chez nous. Ça oblige à penser la dignité humaine, je crois, de manière simple. La dignité humaine, elle est identique partout. Et si la Bible insiste pour nous dire quelque chose d'aussi évident que tu aimeras l'étranger car tu as été étranger en terre d'Égypte, alors qu'il n'y a pas marqué tu aimeras ton père et ta mère. Il est marqué dans la Bible tu craindras ta mère et ton père, tu honoreras ton père et ta mère, mais pas tu aimeras ton père et ta mère. Tu aimeras l'étranger, en revanche, c'est écrit. Parce que finalement, en voyant un étranger, quelqu'un, comme vous le disiez tout à l'heure très justement, qui ne parle pas forcément la même langue que moi, qui n'a pas la même culture ni la même religion, je vois un autre moi. Je vois quelqu'un qui est perçu par moi comme d'autres peuvent me percevoir. Et donc, soit on joue le jeu, soit on construit réellement une société où, quelle que soit l'humanité, elle est la même partout, soit on se rend compte qu'on triche, qu'on affirme des valeurs que nous ne sommes pas capables de porter. Donc la question de l'accueil des réfugiés est essentielle. Elle est vitale même dans la mesure où il y a deux niveaux, à mon sens. Le premier, c'est un niveau politique. Et ça, dans ce panel, d'autres que moi en parleront bien mieux que moi. Mais elle est aussi à un niveau individuel. Par exemple, à Paris, j'ai mis en place un système pour nous occuper des enfants isolés. On ne se rend pas compte, vous parliez de le grand-fils qui va en exploration pratiquement. Mais on a des enfants isolés, seuls, dont les parents sont parfois morts. Et on a fait en sorte de pouvoir en accueillir dans une association qui sait gérer des enfants en France. On a dit, vous savez gérer des enfants, vous allez savoir gérer des enfants réfugiés, seuls, isolés. Et on les a pris. Avec le pasteur de Roissy, on a accueilli des familles qui venaient d'Irak pour les ramener dans une œuvre de l'église protestante à Bordeaux. Donc il y a un niveau aussi individuel. Collectivement, au niveau politique, c'est important de définir des axes, mais individuellement, on peut faire des choses. L'enjeu majeur me semble être celui de considérer qu'il y a une différence avec l'exemple que vous avez pris juste après la guerre. Juste après la guerre, c'est des mouvements de population définitifs. Ici, il faut qu'on se batte pour que ces mouvements soient temporaires. C'est-à-dire que on accueille parce que c'est notre devoir d'accueillir, que ce soit à titre humain ou religieux, peu importe, c'est un devoir d'accueillir. Mais il faut faire en sorte de sécuriser ensuite les espaces pour que la diversité religieuse qui existe encore vaguement au Moyen-Orient puisse perdurer. Et j'ai notamment un de mes amis qui s'occupe, qui est le directeur de l'œuvre d'Orient, qui est le père Golnisch, qui m'a bouleversé quand il m'a à la fois expliqué la situation des chrétiens en Orient, mais qu'en même temps il m'a expliqué qu'il y avait des synagogues qui étaient dévastées, qui étaient détruites, et qu'il fallait entretenir les pierres et les hommes là où ils sont pour témoigner d'une histoire. Donc en fait, c'est différent parce que le but, c'est de pouvoir les réinstaller dans un temps et un espace de paix.
Merci beaucoup. The next to speak is Kim Maldaris, Brookings Institution, old friend, we know him, former Turkish. Thank you very much, Professor Kaiser, and thank you for opening. Je vais parler en français. Il y a des problèmes qui n'ont pas de solution rapide, malheureusement. Donc, prétendre qu'on a une solution à ce qui se passe, au drame qu'on vit aujourd'hui, ce n'est pas possible, malheureusement. On peut aussi discuter comment on est arrivé là, quelles sont les causes profondes. Bon, on en a discuté déjà assez bien dans cette conférence pendant 2 jours. Moi, je vais essayer de souligner quelques pensées, quelques points pour animer la discussion, mais je dois vous dire que je suis perplexe et très triste de ce qui se passe d'abord. Je crois qu'on doit tous... Je suis sûr qu'on partage tous une certaine tristesse, mais ça ne doit pas nous amener évidemment à baisser les bras ou à ne pas se battre pour qu'on trouve des solutions telles que vous les avez évoquées, M. Corsia. Et c'est très important d'ailleurs ce qui se passe au niveau humain, au niveau religieux, au niveau éthique, qu'il y ait une coopération profonde de toutes les religions. La première chose que j'aimerais souligner, elle est très macro, mais... On est en train de vivre une des dimensions, et Thierry de Montbéal, lorsqu'il a lancé cette conférence, il l'a toujours souligné, on est dans un monde où les problèmes sont vraiment, vraiment enchevêtrés. C'est un monde vraiment, réellement interdépendant. Et ce monde a énormément besoin de gouvernance mondiale. Je ne dis pas gouvernement, parce que ça, c'est une utopie même pas utile, mais de gouvernance, de mécanismes qui nous permettent de coopérer à travers les frontières, à travers les cultures, à travers les religions et à travers les idéologies ou les préférences politiques. Et cette conférence apporte beaucoup à cette entreprise, à cette recherche, à cette quête, sans évidemment avoir des solutions miracles. Donc, quand on voit ce qui s'est passé, on se rend compte sur combien de niveaux, en fait, la gouvernance mondiale n'a pas fonctionné. Que ce soit au niveau de comment on traite, traite le Moyen-Orient et les tragédies qui sont devant nos yeux depuis des années. L'Europe, après la grande bataille sur l'euro, l'eurozone, la Grèce, etc., ça c'est encore plus grave dans un certain sens, surtout sur le plan humain. Et on a surtout, j'aimerais utiliser cette occasion pour souligner que là aussi, on voit combien on a besoin de l'Europe, mais d'une Europe qui sache prendre des décisions et qui fonctionne. Alors, vous avez évoqué le fait que c'était une des rares fois qu'on a voté à la majorité pondérée. C'est le moment de dire que l'Europe ne peut fonctionner qu'à la majorité pondérée. Si un petit pays peut bloquer tout un, ou 2-3 pays peuvent bloquer tout un mécanisme, l'Europe ne fonctionnera pas. Donc là, je crois qu'il faut s'accrocher là-dessus, il faut essayer d'expliquer ça aux citoyens. C'est aussi un grand moment pour l'Europe. Elle peut se détruire, mais elle peut aussi revenir, parce que l'enjeu est énorme. Et beaucoup de citoyens, je crois, sont conscients de cet enjeu. Le deuxième point que j'aimerais souligner, il va être un peu controversé, comme on dit en anglais. Mais moi, j'ai vécu des situations dans certaines périodes de ma vie, y compris dans mon propre pays, où un recours à l'état d'exception et un recours à une sécurité forte et musclée est en fait la seule manière d'empêcher quelque chose de bien pire. Et je crois que, franchement, on est tous en danger, surtout en Europe, mais dans le monde entier. Et donc, il faut trouver un équilibre très, très difficile entre l'humanité, la générosité et le principe de base qu'une personne est innocente jusqu'à ce qu'elle soit prouvée coupable, mais en même temps, prendre toutes les mesures nécessaires, y compris l'état d'exception qui a été décrété en France, peut-être qu'il devrait être décrété dans beaucoup plus de pays d'Europe dès maintenant. L'état d'exception n'est pas un état illégitime quand il y a une menace forte. Parce que ce n'est pas seulement la menace qui nous menace, la menace terroriste,
mais c'est aussi la réaction d'extrême droite qui sera inévitable si jamais on permet encore 2, 3, 4 événements de type de Paris. Alors nous nous battons non seulement contre les terroristes, mais nous nous battons aussi contre la réaction que ça pourrait prendre. Et donc on se bat sur deux fronts, et je crois qu'il faut en être conscient, et il faut agir avant l'événement et pas après. Troisième point, parce que je ne veux pas prendre trop du temps de mes collègues, je dois souligner que les pays qui sont des pays de passage, tels que la Turquie, mais d'autres aussi, l'Italie a été pendant longtemps, vraiment ont besoin de soutien. On peut aller dans les détails de tout ça, mais le fardeau qu'ils ont eu pendant très longtemps a été lourd. Comparer ça un peu aux pays du Golfe, qui donnent peut-être un peu d'argent, mais qui n'acceptent presque pas de réfugiés. Je trouve ça une situation totalement inacceptable et pas du tout éthique. Et de nouveau, c'est la langue de bois, c'est la différence entre le discours et le fait dans cette partie du monde. C'est un exemple de plus. Donc, il faut soutenir ces pays. Et j'aimerais... La Turquie a eu presque 2 millions de réfugiés depuis déjà presque 3 ans. Et je crois que la société turque s'en est sortie assez bien. C'est pas parfait, mais il y a eu des efforts importants. Mais par exemple, j'aimerais aussi mentionner un pays comme la Grèce. Combien de pays qu'on connaît qui avaient perdu 25% de leur PIB, qui avaient un taux de chômage de 25% ou 55% de jeunes sont sans travail, donc ils sont une grave crise économique. Je ne parle pas de à qui la faute, à quel gouvernement on aurait trouvé, mais le fait est qu'il y a eu une grave crise. Eh bien, cette Grèce, non seulement a géré cette crise de façon démocratique, presque sans violence, mais en plus, elle porte le fardeau économique d'être un des pays en première ligne qui reçoit les réfugiés et qui souvent s'en occupe très bien. Je ne dis pas toujours. Donc voilà quelques points que j'aimerais souligner pour commencer. Thank you very much. You rightly stress how important it was that the European Union decided by majority. But the problem now is that those who were outvoted refuse to accept the decision, and perhaps Hubert Vitrine later on. Let me just add one quick What we are going to do. I think either Europe will learn to vote by majority decisions, pondéré, or it will not continue to function. Mm-hmm. And those who don't, in the end, I think another thing that happened in Greece, despite everything, the Greek people voted for Europe. So people have to make a choice. Do they want to be in Europe or not? If they don't, let them go. Thank you. Vuk Jeremic is the next. He's the former Serbian foreign minister, and of course he brings a particular perspective here because the Balkan countries are the route to the north, and as we speak, there are probably 100,000 people marching. Probably more than that, this is something that is really causing a lot of tensions and frictions in the Balkans, which has only recently been stabilized after the conflict of the 1990s. But I think that we really need to be open with each other and call a spade a spade. I think that this is perhaps the most serious crisis that Europe has come to face since the end of the Second World War. And that the very foundations, both values and institutions and tenets of the European construct are really in danger as a result of this. And bad news is that this is not going to get any better. It can only get worse because the source of this crisis continues to boil. And it's not only the war in Syria, it's a wider area that we're talking about, but perhaps the most neuralgic one, the most neuralgic aspect is the one in Syria. And I think that unless Europe actually gets to act decisively on this, and when I say act decisively, I mean, of course, deal
with the acute symptoms. We're talking about hundreds of thousands of people, and Rabbi was very eloquent in describing the moral aspects of this. I think it would defy the basic norms of human compassion, let alone what Europe aspires to stand for in the world, to defy those people, shelter and rights. I think that needs to be taken care of. But Europe also has to lead when it comes to addressing the source, because nobody will, or at least not in any time soon, or soon enough for Europe not to feel the even bigger crisis and get in danger of unraveling. So what President Hollande is trying to do next week, traveling to Washington and Moscow, is a part of this. But I don't think this is enough. I think that Europe must actually send a very decisive signal and do a very decisive action towards the key players. And key players are Russians, and key players are, of course, Americans. Key players are Turkey and others. And convene a conference and start a process. Yesterday was the 20th anniversary of the Dayton peace agreement in Bosnia, which was signed in Ohio, Dayton, but that has brought to an end ferocious killings in Bosnia. It was 20 years ago today. Unless we see Europe acting to bring all the interested parties together and catalyze the process, which is of course going to be partially diplomatic, but needs to be backed up by readiness to use decisive force, if necessary, this thing is going to continue. And if it continues, we're not going to be able to put enough barbed wires and fences around the borders of Europe. I'm not even going to start saying how Serbia and other countries of the Balkans perceive these fences that are being erected in the 21st century on the borders of our country. I'm not going to get into that. You might imagine that people are not thrilled and elated at this. But the worst thing is that these fences are not going to stop people from coming. People are going to continue coming, and the political and social effects of those hundreds of thousands of people coming are going to continue being felt. Yesterday, somebody mentioned that Winston Churchill once said that Americans never fail to do the right thing having tried everything else first. Well, it really reminds me of Europe in the 21st century. But I hope that at least they end up doing the right thing. Thank you very much. Sergei Karaganov is the next founder of the Council on Foreign and Defense Policy in Moscow. Give us a Russian perspective on this crisis. I will be speaking not only as a Russian, but probably as a European too. First of all, we have to understand the magnitude of the problem. It's not Syria. It is Pakistan, Afghanistan, Iraq, and down the list. And then there is Africa. So we have in Europe a problem of several million people, and maybe even more than several, ready to come. Second, a lot of these people are terrorists or potential terrorists. If any of us, or younger people in this group, would go to a bazaar in Beirut, as our specialists say, for peanuts they would buy a Syrian passport there, and then we'll come here. And I assume these passports are bought en masse, and people are coming here already. So the problem is long term. The problem is not a cultural, social, it is security, and it will be growingly so. So my immediate advice, I mean, whatever the humanitarian issues, and I share them with you, Rabbi, I mean, close the borders as soon as possible. Triple your enrollment in your police schools, or in our police schools, and increase by 10 times funds used to penetrate all kind of local societies. So you would have enough information
about possible terrorist attack. But there is a bigger problem, and I will say there are four big problems, which you then have to, we will have to deal with. I will start with the lesser magnitude and then go to the bigger magnitude. First problem, which we'll have to face in Europe, and that is that the United States, which have been providing security, is losing interest in Europe. Most people believe, though not acknowledge, that the Americans are destabilizing the Middle East in order to create problems for everybody. I don't share that idea, but I'm in minority. I do not share that idea because I believe that's incompetence and loss of strategic vision, which leads to that. But clearly, Americans are getting out. You could not, and we could not rely on them as we used to. The second problem which you have to deal with is that the only country which has strategic vision and the might to deal with in Europe with the new security challenges is, by virtue of strange policies, is pushed into becoming an enemy rather than a friend and ally. Only Russia in Europe at this juncture has a possibility to deal with these problems in terms of security, in terms of will, in terms of brains, and in terms of competence. The third connected problem is, of course, that the Middle East will be falling apart, and we have heard a lot of that during our brilliant Middle Eastern session. But now I'm coming to the last point, and which was touched very accurately with Mario Monti, of all people, at the beginning of our conference. He said, opened up the Pandora box, which very rarely Europeans openly speak about. European project is in a multi-layered crisis. It muddles down, hopefully. And that is a problem which you have to solve in order to face the challenges of today and tomorrow. There are two ways to do that. Either you move immediately to build a united federal Europe with common army, as proposed for the 10th time, though, common security services, common border guards, etc., etc. If you are unable to do that, return back a little bit, at least in foreign policy and security and defense, to national countries, which are responsible to their citizens. All European security policies do not work and will not work if Europe doesn't become a federal state. And the last but not the least, I mean, these security problems and many other problems which are within Europe, radicalization, etc., could not be solved on a subcontinental basis. It should be transcontinental. It should be with the United States to this effect possible and within the Eurasian space. Maybe we could find a common solution, including to the problem of the disintegrating Middle East and many others which are we have to face in the coming years. I mean, Eurasian solution plus, in addition to Atlantic solution, reinitialization of security and foreign policies so that Paris or Berlin or whomever has a full responsibility and the will and an ability to act. Thank you, Sergei. The last speaker is Hubert Vitrine, former French foreign minister. Perhaps you can respond a little bit to the challenge of what Europe should do. At the moment, Europe doesn't have a policy on the refugee crisis. Merci. Je parle en français. Ce qui est compliqué dans notre affaire, c'est que beaucoup de problèmes gravissimes se posent en même temps. Donc on est obligé d'analyser cette complexité. En même temps, si on reste dans cette interaction, on ne peut pas avancer parce que ce sont des questions distinctes. Donc il faut à la fois analyser l'interaction et de façon opérationnelle les distinguer malgré tout. Et là, on est censé parler des réfugiés. Pourtant, il y a la question de la meilleure coordination, efficacité de la lutte contre le terrorisme. C'est une chose qui recoupe un petit peu notre problème, mais ce n'est pas le cœur de notre problème de réfugiés.
il y a la question de des flux migratoires en général, qui vont se développer dans l'ensemble du monde, qui vont continuer. Et là-dessus, il faut absolument aller vers une co-gestion entre les pays de départ, les pays de transit et les pays d'arrivée, beaucoup plus que ce qui a été fait jusqu'à maintenant. La récente réunion à Malte est une première étape par rapport à ça, mais ce n'est pas suffisant. Et ça ne traite pas la question des réfugiés en tant que tels. On pourrait parler de la nouvelle donne diplomatique qui s'installe avec l'idée de cette grande coalition pour lutter contre Daesh. À mes yeux, c'est le moment le plus important depuis la fin de la guerre froide. Et comme je pense qu'on a raté l'après-guerre froide, on a bien géré la fin exacte de la guerre froide, mais pas de l'après, c'est un moment très important. Mais ce n'est pas non plus exactement notre sujet, même s'il y aurait beaucoup de choses à dire sur ce point. Sur la question des réfugiés, je pense que s'il n'y a pas des mesures extrêmement claires pour distinguer la question de l'asile, le droit d'asile va disparaître, si on n'y arrive pas, si on n'arrive pas à distinguer. Il faut faire attention parce que le mélange entre les vrais demandeurs d'asile qui sont persécutés pour des tas de raisons, ou qui sont en danger de mort, ou qui fuient des guerres atroces, si on mélange ça avec l'ensemble de la misère du monde, les opinions européennes vont rejeter ça. Et on n'arrivera même plus à sauver le droit d'asile. Donc pour moi, sauver le droit d'asile, ça nécessite de clarifier qu'est-ce qui relève de l'asile pour des gens persécutés à qui on doit l'asile. Pas uniquement parce qu'il y a des conventions modernes. C'est aussi vieux que l'histoire de la chrétienté en Europe et l'asile dans les églises. C'est l'Europe. Donc si on n'arrive pas à se concentrer sur l'asile, même si c'est très compliqué parce que tous les problèmes arrivent en même temps, il y a une vraie menace sur le droit d'asile. Sur le droit d'asile, il ne suffit pas de faire appel à la générosité. C'est très important parce que sur le plan humain, ce que vivent ces gens est atroce. Donc l'émotion est immense, mais ce n'est pas une réponse suffisante. Regardez l'évolution des opinions européennes et par exemple en Allemagne. La vitesse à laquelle Mme Merkel a été félicitée, puis maintenant elle est complètement sur la défensive. Regardez l'histoire des murs. C'est très facile de critiquer les murs. Il y a toujours eu des murs dans l'histoire de l'humanité. Ce n'est pas vrai que ça ne sert à rien. La Grande Muraille de Chine a été extrêmement efficace pendant des siècles contre les Mongols et compagnie, pas toujours. Et de toute façon, ce n'est pas la peine de s'en prendre à des pays qui sont sur le cheminement des populations. Ils font des murs parce que le contrôle extérieur ne marche pas. Donc ça nous mène à la question de Schengen. Donc pour moi, sauver l'asile, c'est d'abord rassurer les populations européennes en leur disant... Quand on a fait Schengen dans une ambiance d'optimisme, en 1985 et après, on a évidemment inscrit la nécessité d'un contrôle aux frontières extérieures de Schengen, mais c'était dans une époque très idéaliste de l'Europe, et il y a eu pendant très longtemps l'idéologie sans frontières, le sans-frontiérisme en français. Je ne sais pas si c'est traduisible. Bon. Et donc la liberté de circulation intérieure était beaucoup plus importante que le contrôle extérieur. C'est une belle idée, c'est sympathique, si le monde était globalement paisible. Quand on est confronté à ce qui se passe depuis quelques années, ça ne fonctionne plus. Et donc les populations en Europe, les populations d'arrivée, de destination, voient bien que non seulement on ne contrôle rien en réalité dans le monde, il n'y a pas encore de communauté internationale, on ne contrôle absolument rien en ce qui concerne les flux financiers dérégulés, on ne contrôle pas les mouvements humains, etc. Donc les gens réagissent à ça. Au début, on dit c'est atroce, c'est l'extrême droite, et on pense en disant ça que ça va suffire à les désintégrer, à les disqualifier, en employant ce mot magique. Mais ça ne suffit pas, parce que l'immense majorité des populations européennes sont inquiètes maintenant par rapport à ça. Donc je pense qu'il faut commencer par rétablir ou créer les frontières extérieures de Schengen. C'est absurde qu'il n'y ait pas eu depuis l'origine des gardes-frontières européens, une sorte de police fédérale extérieure. Il a fallu des années avant de créer l'agence Frontex, qui n'a pas assez de moyens. On ne s'est pas doté des moyens de distinguer tout de suite ceux qui peuvent demander l'asile, peut-être, et ceux qui relèvent d'autres flux migratoires. Donc on gère la confusion dans la crise la plus complète. Il faut refaire ça. Si on fait ça, on peut dire aux populations européennes, vous n'avez pas le droit de refuser l'asile à ces gens qui sont vraiment en danger. Et si l'Europe n'est pas capable de répondre généreusement au bout du compte, elle n'existe plus. Et toute sa prétention permanente à donner des leçons de morale au monde entier n'a plus de fondement.
Mais on ne peut pas dire ça des populations sur la défensive et agressive si on n'a pas démontré qu'on était capable de contrôler. Pour ça, pour moi, le rétablissement de contrôle extérieur à Schengen est une condition préalable de la générosité qui doit être maintenue. Après, les gens qui viennent, et je trouve très juste ce qu'a dit le grand rabbin, il y a des gens qui viennent pour se mettre à l'abri, mais qui veulent rentrer chez eux un jour. Donc, ce n'est pas la problématique de l'intégration ou de l'assimilation. Il faut qu'ils puissent attendre dans des conditions correctes. Et à cet égard, c'est tout à fait vrai, comme l'a dit Kemal, qu'il faut aider beaucoup plus les pays de premier accueil. La Turquie, bien sûr, mais la Jordanie, la Libye, etc. Quelqu'un d'autre a rappelé que c'est un phénomène mondial. Le pays au monde qui a le plus grand pourcentage de réfugiés, je crois que c'est le Pakistan, par exemple. Sans parler des situations en Afrique. Donc ce n'est pas qu'un problème européen. Donc pour moi, je lis le rétablissement d'un contrôle extérieur normal. Après, la générosité, et là je suis tout à fait d'accord avec l'idée qu'il faut être prêt à voter à la majorité, faire naître un système de décision en Europe qui a fait défaut jusqu'ici, mais on ne peut pas le faire si on n'a pas rétabli les mécanismes de contrôle. Donc si c'est que de l'autoritarisme maintenant ou de la générosité, ça ne fonctionne pas en fait. Il faut rassembler l'ensemble des éléments. Et après, ça nous amène à bâtir dans la crise et dans la douleur et dans l'urgence, enfin, une politique harmonisée de l'asile au sein de la, en tout cas de la zone Schengen. Et j'ai parlé de la coordination des flux migratoires, en fait, tout l'ensemble. Il faut aussi changer la convention de Dublin. Madame Merkel l'avait annoncé au début. Elle a dû renoncer après, mais elle a raison. Elle l'a annoncé trop vite, elle le retire trop vite. Et la convention de Dublin qui oblige les pays de première arrivée à tout gérer, on ne peut pas demander ça à l'Italie, à Malte, à la Grèce, c'est insupportable. Quant au contrôle extérieur de Schengen, c'est presque impossible pour les Grecs d'y arriver. Pas uniquement à cause des problèmes grecs permanents, mais parce que la structure des îles fait que comme frontière extérieure, c'est ingérable. Donc il faut rebâtir un Schengen avec un ensemble géographique cohérent. Je vous signale d'ailleurs qu'il y a des think tanks aux Pays-Bas qui commencent à dire qu'il faut refaire un petit Schengen cohérent dans lequel il y a Pays-Bas, Belgique, Luxembourg, Allemagne, Autriche. Il n'y a pas la France dedans. C'est un think tank néerlandais, mais enfin, c'est une idée qui n'aurait pas existé avant. Donc on revient sans arrêt à cette question de si on veut sauver l'asile en Europe, et il le faut, il faut redonner une cohérence et une crédibilité à la question du contrôle extérieur de Schengen. Voilà ce que je voulais dire là-dessus. J'ajoute que dans l'avenir, comme malheureusement, encore une fois, indépendamment de la co-gestion des flux migratoires qui concernent le monde entier, aussi bien les États-Unis et le Mexique et les Africains, etc., indépendamment de ça, il y aura malheureusement encore de grandes questions de réfugiés. On ne peut pas être sûr que le monde sera tellement paisible qu'il n'y aura plus de demandes d'asile. Donc, ce n'est pas possible qu'il n'y ait que l'Europe. Il ne peut pas y avoir que l'Europe dans le monde qui soit la terre d'asile. Il faut qu'elle le reste, encore une fois. Il faut assumer ça. L'Europe se renie totalement si elle ne l'est plus. Mais il faut qu'il y ait d'autres endroits dans le monde qui développent eux aussi une politique d'asile momentanée, parfois longue. Et d'autres pays l'ont fait courageusement. Je vous signale que autour du Cambodge, il y a des pays qui ont, en Indochine, entre eux, si on analyse l'Asie du Sud-Est, il y a des pays, selon les moments et les guerres, qui ont accueilli des populations des pays voisins pendant 10 ans parfois, jusqu'à ce qu'ils rentrent chez eux. Alors ça nous a moins préoccupés parce qu'on est plus centré sur l'Europe, mais il y a des pays dans le monde qui ont été confrontés à ces difficultés très, très, très grandes. Bon, voilà mes idées sur l'Europe, et en même temps, ça ne concerne pas que l'Europe. Thank you very much. Of course, those are the medium and long-term views. The question now is, what do you do when the last remaining countries, of the last remaining countries, now Sweden, to accept refugees, has closed? Germany is approaching the point of being unable. What do we do in the immediate future with all the thousands that will arrive? And they're now in your part of the world, walking north. So there is an immediate urgent problem for the near future. And then we have the structural questions that Hubert Vetrin rightly raised. Would you like to add something there? I had the impression, and then we go and have questions. Juste que c'est, d'abord c'était lumineux d'entendre tous ces ajouts, en particulier la question essentielle posée par le ministre Hubert Vetrin.
Mais est-ce qu'on est obligé de choisir entre la force, c'est-à-dire la fermeture, et l'accueil et la générosité? Non, en fait, il ne faut pas choisir l'un ou l'autre. Mon sentiment, c'est qu'on ne peut être généreux que si on est fort, si on peut donner quelque chose. Et donc, le principe même, si vous voulez, de ce qu'on essaie de construire, c'est effectivement d'être cohérent avec les valeurs qui ont créé, qui ont poussé à créer l'Europe. Or, ce sont des valeurs qui, au départ, étaient économiques, mais en fait, qui sont des valeurs qui se tournent vers l'inverse de ce qu'a été la guerre. Ce qui m'inquiète, moi, c'est qu'en 1938, il y a eu une conférence à Évian. Je suis allé à Évian il y a 2 mois, dans le même hôtel où il y a eu cette conférence de 1938 sur les réfugiés. L'enjeu, c'était d'essayer de récupérer 600 000 juifs qui étaient en Allemagne. Bon, tout le monde s'est un peu bagarré pour savoir qu'est-ce qu'on fait. Il en est sorti, en gros, qu'une seule chose, c'est la création du HCR, qu'on voit absolument pas. Et là, vous avez raison de dire que ce n'est pas qu'une question européenne. Le HCR, après tout, devrait pouvoir être concerné et pouvoir permettre que des pays qui pourraient accueillir ailleurs qu'en Europe puissent être en enjeu. La seule chose qui est sortie de cette conférence d'Évian, c'est, je crois, 600 juifs accueillis par Saint-Domingue, mais pas forcément pour des bonnes raisons. Bon, donc, on voit que c'est une question qui est très ancienne. Qu'est-ce qu'on fait des personnes qui ne peuvent pas être là où elles sont et qui ont droit à la même dignité que n'importe qui et dont on doit collectivement assumer la charge. Avec, et là, je vous remercie de l'avoir rappelé, cet enjeu majeur de pouvoir les ramener pour ceux qui veulent et qui espèrent vivre leur foi, leur engagement sur leur terre. Donc, c'est aussi un enjeu à long terme, là, à moyen terme, on en a parlé, mais à long terme, de pouvoir sécuriser des espaces pour pouvoir réinstaller des gens chez eux. Well, we can now open the debate, and I will start over here on the left. Can we get the microphone here? Front row, thank you. Merci. Est-ce que ça marche? Ça marche? Bon. Marche. Le débat est très intéressant, mais j'ai l'impression que vous faites du problème un problème européen. Le problème des réfugiés n'est pas un problème européen. Et pour éviter qu'il soit un problème européen, il faut aller le régler sur place. Il y a 1,5 million de réfugiés au Liban. Il y en a 1 million en Irak. Il y en a autant en Jordanie. Si vous voulez faire acte de générosité, aider ces pays à supporter les réfugiés qui sont là-bas en attendant de voir ce qui va se passer. Si vous le faites, vous évitez qu'ils viennent en Europe, car ceux qui viennent en Europe viennent du réservoir que sont les réfugiés là-bas. Premier point. Deuxième point, on a parlé du souk de Beyrouth où on fabrique des passeports. Je vous fais remarquer que ceux qui viennent faire du terrorisme en Europe, ce sont des Européens. On n'a pas besoin de fabriquer un passeport pour venir faire un acte terroriste en Europe. Il faut gérer et régler le problème des Européens qui vont là-bas et qui reviennent pour faire des actes terroristes. Troisièmement, il me semble qu'il y a un problème de communication, de compréhension de populations, de cultures différentes ou de milieux différents. Effectivement, il y a un problème de dialogue au niveau des valeurs. Actuellement, ce qui gère cet aspect des choses, c'est la Charte universelle des droits de l'homme. Or, la Charte universelle des droits de l'homme n'a pas été acceptée par tout le monde. L'Organisation des pays islamiques a mis une condition, ils acceptent la Charte des droits de l'homme dans la mesure où il y a des éléments qui ne sont pas contraires à la charia. Donc, il y a à compléter cette charte universelle des droits de l'homme, à mon avis, par une charte des valeurs communes.
il faut trouver une charte des valeurs communes à toutes les civilisations et aux religions. Et ça peut se trouver. Ce que Edgar Faure, dans le temps, avait appelé la commensurabilité culturelle. Et ben voilà un chantier sur lequel il faut se pencher. Merci. Merci beaucoup. I'll collect perhaps three contributions, then we can react from here. Next one here, down here. Would you like to react to that? Thank you, Mr. Chairman. Later on. Je voudrais reprendre un peu ce que M. Vedrine a dit et M. Corsia pour le droit d'asile. Et je voudrais attirer votre attention qu'aujourd'hui, il y a une émigration forcée des chrétiens de l'Orient. C'est une question sur laquelle la communauté internationale ne s'est pas assez penchée. Or, aujourd'hui, il y a 2 millions de chrétiens syriens qui ont fui vers les États-Unis, l'Europe et l'Australie. Il y a 1,5 million d'Irakiens chrétiens qui ont fui également qui ont fui vers le Kurdistan après la prise de Mossoul par Daesh. Mais aussi, il faut voir aussi ce qu'on leur impose. Ce qu'on leur impose, et n'oubliez pas surtout les 21 Égyptiens, les pauvres Égyptiens qui ont été beheaded, qui ont dont la tête a été tranchée au début de l'année, parce qu'ils étaient chrétiens. Alors là, ça rentre exactement dans le contexte de ce que M. Vedrine a dit, ce sont des gens qui sont persécutés. On ne peut pas mettre tout le monde dans le même panier. Alors, moi, je voudrais vous dire quelles sont les conditions qu'on leur fait. C'est ou payer la gizya, ce qui veut dire une taxe imposée et qui s'élève à je ne sais plus combien d'or, de grammes d'or. La seconde, c'est la conversion vers l'islam ou être chassé du pays. Merci. Merci. Third one over there. Prince Michael. Thank you, Chairman Michael Lichtenstein. I looked as a businessman on this crisis and more from an economic and also a market view. I agreed with all the humanitarian things. But in actual fact, we have in Europe an aging population, and we have a demographic deficit, and that has nothing to do, or it has only limited to do with refugees. We have a high demographic surplus in the south, mostly in Africa. So we will get an immigration, and I think this refugee crisis is only the beginning of it. And I think we really have to think in Europe, what can we do with that? Because we will get it, and we will get people into the country, and actually we need them. And I think the best integration is actually the integration through work, and to put these people to work. And we have one big problem, and which is also one of the sources of our youth unemployment problem. In some of the European countries, it's an overprotection of labor, overprotection of working place. And as a businessman, I wouldn't invest in a number of European countries simply because the laws are so protective, the labor laws, that I don't want to employ people anymore. And we don't only need skilled people, we also need unskilled people here in Europe. And I don't want to put people, let's say, in some sort of economic slavery, but I think we have to think about doing our labor laws more flexible so we can get these people into the working process, and that's also the best way to integrate them. Thank you very much. I would suggest you react, but let's be brief so that more people have a chance to talk. You want to start? Oui, en deux mots, je voudrais répondre à la question de monsieur sur la question des valeurs. Chacun pourra avoir évidemment sa vision des valeurs. Je crois que là, elles sont fondamentalement au nombre de deux. La première, c'est la valeur essentielle de la vie. Je ne vais pas plagier la Bible. La Bible dit « Voici, je place » dans le Deutéronome, « Voici, je place devant toi la vie et la mort, tu choisiras la vie. » Il y a vraiment là une valeur essentielle dans nos sociétés qui est la vie. Est-ce qu'on veut la vie ou pas? La deuxième, c'est le dialogue. Moi, je voudrais remercier Thierry de Montbrial
nous permettent de dialoguer. Ce n'est pas uniquement le fait d'échanger des opinions, c'est que face à la violence, et notamment la violence des attentats, la violence du terrorisme, et face au monde d'aujourd'hui qui privilégie l'image, on voit bien les gens littéralement collés à leur télévision, à la radio, dans l'incapacité de sortir de la violence de l'image. Je reprendrai une image biblique qui est celle de Dieu qui demande à Lot, alors que Sodome et Gomorre est détruite, il lui dit « ne regarde pas en arrière ». Et la femme de Lot se retourne et elle devient une statue de sel. J'ai le sentiment qu'aujourd'hui, on devient tous des statues de sel dans l'impossibilité de parler. On est sidéré par la violence qui nous empêche de penser. Là, nous sommes dans une configuration où on a la chance de pouvoir échanger. Donc nous avons deux valeurs à partager, la vie et l'échange, le dialogue, le respect de la parole de l'autre. Au-delà de ça, tout le reste n'est que commentaire. Clément, très rapidement, j'aimerais exprimer mon accord avec, surtout avec ce que Hubert Védrine a dit. Je pense pour gérer la situation, il faut absolument que les frontières de Schengen soient bien défendues, bien régulées. Et même peut-être faudra-t-il penser à certaines situations spéciales comme celle des îles grecques et de la Grèce pour s'accommoder de ce besoin. Sur les questions à long terme, moi je pense, comme l'a dit le monsieur là, qui est un homme d'industrie, à long terme, il y a beaucoup de choses qui peuvent se régler. En fait, l'Europe a absolument besoin d'immigration. C'est clair, elle a besoin de sinon démographiquement, ça jouera contre l'Europe. Mais on ne pourra pas, je veux répéter, on ne pourra pas gérer la politique interne des pays si on n'arrive pas à empêcher, on ne pourra peut-être pas l'empêcher à 100%, mais empêcher la menace terroriste qui pèse actuellement et de façon imminente. Car si elle se réalise, tous vos discours, je regrette, auront peu de poids dans la politique européenne. Non, pardon. Alors, vraiment, pardon. Oui, mais peut-être. Non, mais attendez, laissez-moi finir. Je ne suis pas contre, je suis tout à fait pour les valeurs. Non, je dis que les valeurs ne marchent que quand ça chauffe. Oui, mais tout le monde. Mais lorsqu'il y a un deuxième attentat de type Paris à Paris ou un troisième à Berlin, je vous assure que. Oui. C'est pas les belles valeurs qu'on partage tous qui vont triompher. Non, mais là, vous aviez raison tout à l'heure. C'est tout ce que je dis. Non, tout à l'heure, quand vous parliez, en gros, de la théorie de Hobbes, on accorde une part de notre liberté à l'État en contrepartie de la sécurité, vous avez 100% raison. C'est ce qui se passe et il faut le faire préventive. C'est tout ce que je dis. Mais en même temps, c'est quand ça devient difficile qu'il faut marteler des valeurs parce que sinon... Oui, mais ça, c'est à vous de le faire. Oui. À vous comme... Non, à nous tous. Oui, à nous tous. Mais n'empêche qu'il faut regarder la réalité en face. Et je suis peut-être une des personnes les plus... Enfin, je serais tout à fait pour la générosité et pour l'ouverture et tout ça. Mais quand un danger... tel qu'il se présente aujourd'hui. Et là, il faut être réaliste. Et quand on n'est pas réaliste, on ne peut pas le gérer. Je crois que Hubert a bien décrit la situation. Il faut aller de l'avant. Mais dans les deux choix de M. Karanov, je crois que le seul vrai choix, c'est celui d'une Europe beaucoup plus unie. L'autre choix est peut-être un deuxième choix, mais elle sera très impuissante face au monde. Et elle ne pourra être un bon partenaire ni pour la Russie, ni pour les États-Unis. Donc, le vrai choix, c'est d'une Europe plus unie. Et ceux qui ne veulent pas aller de l'avant, je pense qu'il faut les confronter sur cette question. I would actually fully agree with Dr. Dervish on the need for getting the United Europe. But if you look at the three most, I'd say, significant in many ways European players, Britain, France, and Germany, they're all now looking in their own direction. The United Kingdom is obsessed with a referendum. The political class spends most of its time actually dealing with a referendum debate. France is fully consumed with a security, dramatic security situation. And in Germany is turning increasingly inward, rightfully embittered at the lack of solidarity when it comes to dealing with the refugee issue. So all those three actors are turning their own way. And I think this is going to be disastrous. You have Brussels, who comes across as teethless, who has difficulty in persuading people to take up shares of 160,000 refugees at the moment when Lebanon has 1.5 million and Turkey has 2 million. European Union's arguably slightly bigger international player than Lebanon, and
cannot find a way to cope with 1/10 of it. So it's definitely something that we can do as Europe. And this is something that we definitely should do, and I hope will do as Europe. But I think that what is key is who is going to lead and say, well, this is enough of going in a disastrous direction. We need to change course. In my opinion, given the current realities of the European politics, it's only France and Germany together. If they choose to act together, they did choose to act together in the case of the Greek crisis. Arguably, it was a different thing. This is, in my opinion, a much more serious and more threatening crisis for the future of Europe. Mm-hmm. But France needs to, I don't know, take Germany by the hand. Germany is not terribly positively disposed towards international engagement for reasons which are partly historical, partly political, partly personal when it comes to some of the German leaders. France doesn't have that problem, but France and Germany together, I think, can and should catalyze Europe into acting as a prime actor and not a reactor to what is currently going on. Sergei, would you like to add something? Yeah, and then absolutely. Two issues. First of all, I agree with Kamal Dervis and others that the best way is to have a united Europe. The problem is that, I mean, we are living through a world in which resembles me of the Soviet Union and late Gorbachev. He was seeing more socialism, and everybody was knowing that it was unraveling. I mean, the question is, I mean, if he would have gone for more capitalism rather than more socialism, I mean, Soviet Union would have survived and would have become a much more cozier place than it is now at this juncture. So it's, if you could not have a united Europe with common security, common defense, et cetera, policy, I mean, delegate more authority to the states. First, because they are responsible, and they should be responsible, because now they are also not responsible, because they have, I mean, Brussels, and so nobody knows where the responsibility lies. And the second issue is, of course, in European debate, I mean, the issue of Gastarbeiters and refugees is totally, totally mixed. It's an absolutely different issue. Russia has about, we debated 15 million. He said refugees. No, these are Gastarbeiters, and they have an absolutely different type of people. They come, they work. If they do not behave, they're thrown away. That's it. And if Europe have a border, and I agree here with that, you have to have a border which is defensible. Then you invite people to work if they behave well, and second generation they became your citizens. Other than that, you will be, and now we are importing people who are, and the debate is that they will bring in, they will bring younger labor force. According to the most estimates, only 10% of those who are now coming will, in 5 years, will be working constructively and effectively. Je voudrais qu'on fasse attention aux fausses pistes qu'on met en avant compte tenu d'une ambiance de panique. D'abord, c'est le pire moment pour relancer l'histoire du déficit démographique. Si on dit ça maintenant dans ce contexte, oui. Si on parle des gens comme on parlerait de tonnes de ciment ou de sacs de blé, en oubliant que ce sont des êtres humains avec leur comportement, leur religion, leur mentalité, ça aggrave dans les populations européennes l'idée d'une invasion démographique. Ce n'est pas le moment. On peut dire sur un plan purement économique étroit que oui, dans tel ou tel domaine, on a besoin de gens. On peut expliquer que les Espagnols ne peuvent pas ramasser les tomates s'il n'y a pas les travailleurs marocains. On peut dire tout ce qu'on veut. C'est le pire moment pour dire ça. Puisque dans les opinions européennes, bien au-delà de l'extrême droite, dans les trois quarts des opinions, il y a l'idée d'une sorte d'invasion qui s'est installée, qui mélange tout. Les réfugiés, les migrants, etc. etc. Donc il ne faut pas se servir de cet argument maintenant. Il peut avoir une valeur, mais pas là. Deuxièmement, l'histoire, s'il faut attendre l'Europe unie, arrêtons de discuter, ça ne sert à rien. Jamais les Européens ne vont renoncer à ce qu'ils ont pu garder de souveraineté et d'identité. Et comme la construction européenne et le discours fédéraliste depuis 30 ans a été présenté comme un discours visant à réduire les États-nations, il y a, dans la tête des gens, il y a un antagonisme entre les deux. Plus il y a d'Europe, moins il y a d'Allemagne.
Et jamais l'accord de Karlsruhe va accepter cette idée. On perd notre temps, en fait. Il n'y a pas de chemin démocratique vers l'Europe fédérale. Même maintenant. En revanche, je pense qu'il y a un vrai chemin vers un rétablissement de sécurité, qui est la priorité absolue, sinon tout ce qu'on a dit dans le premier tour là, de discussion, qui est très bien, je trouve, mais qui est un raisonnement intelligent à moyen et long terme, s'il n'y a pas le rétablissement, il va s'effondrer. Et donc on l'a dit déjà tout à l'heure, la première fois, quelqu'un a parlé d'état d'exception, je crois que c'est toi, Kemal, d'état d'exception dans toute l'Europe. C'est un état légal. Il a raison. C'est ce que la France, ou d'état d'urgence, on appelle ça comme on veut. Tous les pays européens confrontés à cette situation ont besoin de cette situation juridique, sinon leur police n'arrive pas à coopérer suffisamment. Et les justices, il faut rétablir l'État, il faut reconstruire un État belge qui s'est auto-détruit. Vous voyez bien que dans les différentes communes de l'agglomération de Bruxelles, il y a une autonomie quasi complète et une impuissance quasi complète d'une commune à l'autre. Donc si on n'arrive pas à répondre à ça, y compris en allant dans l'affaire de la décision à la majorité, ce qui est un vrai tournant institutionnel. On fait naître un autre mécanisme de décision qui est en effet dans la direction d'une Europe plus unie. On peut le faire naître dans la crise sur la question de la sécurité, mais pas globalement. Donc il ne faut pas attendre qu'il y ait l'Europe unie pour faire ça. Il faut avancer sur ce terrain de la sécurité légale, comme l'Allemagne avait réussi à mettre fin à la bande Abadère en étant très 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 inflexible, mais dans la légalité constitutionnelle. Donc ça, c'est, à mon avis, c'est la priorité absolue. De même qu'on ne peut pas s'occuper maintenant de reconfigurer le Moyen-Orient. C'est immensément souhaitable. On en est incapable. Personne n'en est capable, d'ailleurs. Bon. Donc il faut créer une chronologie, une priorité. La priorité, pour moi, c'est de répondre à la question de rétablissement de la confiance et de la sécurité pour les populations européennes. Et n'attendons pas des miracles extraordinaires d'institutions européennes. Je vous signale que c'est le Parlement européen, donc l'institution la plus fédérale qui soit, qui bloque depuis des années les échanges de fichiers sur les passagers aériens. Et c'est un élément qui a empêché les polices, celles qui coopèrent entre elles, de faire un travail préventif convenable. Et ça va sauter aussi. Ils ne peuvent pas tenir sur cette position-là, en fait. Donc, il y a une question d'urgence, de conjoncture et une question de long terme. Et on a donné des idées sur les deux temps successifs. Merci beaucoup. We have the time for two short questions, perhaps, and brief answers. So two more, and then we'll have to, unfortunately, to conclude. Over here. Please be brief, because we have very little time. Thank you very much. Piero Silonghi from the International Organization for Migration. Just very briefly on terrorism, I think we've seen that terrorists, if they need to move, they fly first class. They don't necessarily come with the flows. And then, as already said by someone, most of them are second and third generation. And the radicalization of these people happens because there is, for certain groups, a lack of integration perspectives, which is basically a lack of jobs among certain groups of now regularized migrant youth, which are, as I said, second generation. Number two, on the choice between control and generosity, which the rabbi mentioned, and others mentioned time to build walls and border guards. Yes, beyond the ideology of that, but how do you manage the logistics of that when people are in line at these fences or swimming in the sea? We've seen the Italian Coast Guard turning into a lifeguard for the last few months and indeed years. And thirdly, on what Mr. Vedrin said on the asylum process in jeopardy, I certainly agree. But the danger is that it's become the only registration system for migrants. And we've seen that on the opposite side of the coin, because between the year 2000 and 2014, so the last 15 years, Europe spent 11.3 billion on deportation of 3.2 million foreigners. Okay, so really we have to see whether we can create some other registration processes which don't jeopardize the asylum system. Thank you. Thank you very much. Last question.
And I'll ask it, should the European Union not make a major effort, invest billions really in the recipient countries like Turkey, Lebanon, Jordan, in order to slow down the present flow? Yeah, but what about the flow from Africa, which is only starting? I mean, if you, it will not be billions, tens of billions, and you never know. And how could you invest tens of or hundreds of billions in Lebanon, which is dysfunctional? Libya, and other countries. So I don't think that could solve the problem. It's true that we do not talk about the flow from Africa very much in the present debate, although it's there. And it's likely to grow. Non, pour l'Afrique, c'est aussi une question de stabilisation des populations localement, avec l'aide au développement. Enfin, l'AFD pour la France a quelque chose comme un investissement de 6 milliards en euros, je parle, par an, ce qui est quand même assez conséquent, avec des vraies politiques sur le long terme. Donc ça, mais là, on parle d'une urgence. Sur le long terme, il faut travailler pour faire en sorte qu'il y ait une véritable coopération, des échanges, pour que les gens, localement, là où ils sont, de là où ils sont, puissent construire quelque chose et se construire eux-mêmes un avenir. Mais évidemment, là, on parle d'autre chose. La question des réfugiés, et là, le ministre a parfaitement raison de rappeler que la question du réfugié, quelqu'un qui, dont on veut attenter à la vie, c'est une autre considération que quelqu'un qui dit simplement « j'arrive pas à vivre décemment chez moi ». C'est un autre principe. Et effectivement, là, l'urgence, c'est de s'occuper de ceux dont on veut attenter à la vie. Sur le long terme, il faudra effectivement faire en sorte d'encourager, d'aider autant que faire se peut la stabilisation des populations en Afrique, parce qu'il y a un véritable développement africain qui commence à venir, qui est déjà lancé depuis très longtemps et qui montre de grandes réussites. Moi, j'aimerais juste ajouter, c'est vrai que aider le développement à long terme, c'est une des dimensions, mais je crois qu'il faut aussi réfléchir un peu à tout le monde digital qui existe, qui soutient beaucoup de choses, qui mène à beaucoup d'erreurs. Et je pense que le développement, c'est le développement de l'économie mondiale. C'est ces pays vont se développer s'ils ont des structures de gouvernance convenables. Ce n'est pas l'aide européenne de 2-3 milliards ici par là qui va développer l'Afrique ou n'importe qui. C'est la dynamique même de ces pays. Et dans cette dynamique, c'est la gouvernance de ces pays qui compte surtout. Et il faut bien regarder qui est en train de soutenir la modération, le développement, la tolérance, la coopération dans le monde, et qui est en train, à travers les prêches, le monde digital, etc., en fait, à rendre la situation bien pire. Regardez quels comptes Twitter se sont ouverts après Paris. Je crois que quelqu'un l'a noté hier. Je crois qu'il faut regarder les choses vraiment en face. Et ce qui incite à la haine entre les religions, ce qui incite à la terreur, il ne faut pas leur vendre des milliards de dollars d'armes ou les considérer comme des personnes tout à fait raisonnables et avec lesquelles on peut discuter normalement. I think that was a very nice concluding remark. We are just beyond it. So please join me in thanking our panel.